Donc l'idée de la séance, je ne sais pas comment travailler l'informatique avec vous, le but n'est pas vraiment de faire du Scilab, vous n'avez pas l'ordinateur pour, ou voir comment vous faites de l'ordinateur, enfin ça va être compliqué à gérer, ingérable même je pense tout simplement. Là vous avez une liste de 5 exos, donc 1, 4, 1, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3 et 3, 5. 3 que vous avez, enfin c'est les points sur lesquels cliquer dans le fichier qui est dans le chat, mais que vous aviez déjà. Rebonjour Camélia. Donc l'idée, moi je vais vous en faire un, j'allais regarder, je crois que c'était, alors c'était dans le chapitre 3, je crois que c'était le 3-1-3 que je voulais faire de mémoire, non, c'est le 3-1-2 du coup, oui, c'est le 3-1-2 que je voulais faire. Moi je vais vous faire celui-là, pour vous réexpliquer, vérifier que la dichotomie passe bien, etc. Et après, pour le reste de l'heure, c'est vous qui travaillez et je n'interviens que dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez vérifier vos réponses, si... Enfin, après, moi, je vous laisse travailler. Donc, je vais juste, moi, faire celui-là et après, vous prenez dans l'ordre 1-4-1, 4-2, 3-1-3 et 3-5-3. Si on fait déjà ça en une heure, ça me paraît déjà très très bien. Alors, donc l'idée, c'est de regarder... La dichotomie, c'est au programme depuis 2013 et depuis 2017 à peu près, ils se sont énervés à se dire « Ah, ce serait bien qu'on en mette. » Et maintenant, ça tombe très très souvent. Alors, donc la dichotomie, c'est un algorithme de recherche de zéro d'une fonction. Si vous prenez une fonction continue, c'est, en fait, c'est la version algorithmique du TVI. Si vous prenez une fonction sur un intervalle AB, je vais créer ces deux types de fonctions, une qui est comme ça, et l'autre qui est comme ça. Si vous les calculez en A et en B, vous voyez qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs en A et en B. Si la fonction sont continues, on sait qu'elles vont s'annuler quelque part. Comment on fait? On tape au milieu. Donc le milieu, il faut le savoir, c'est du A plus B sur 2. Et on regarde où va se trouver l'annulation. Typiquement sur la courbe rouge, l'annulation va se retrouver en A et ce point qu'on appelle souvent C. Et par contre, pour la courbe bleue, l'annulation va se trouver entre B et C. Alors, je vous avais dit de regarder une vidéo qui explique notamment qu'on n'a pas besoin de se séparer les cas croissants, décroissants, etc. Parce qu'on peut tout faire par rapport au produit des signes. Puisque A, F2A et F2B ne sont pas de même signe, on a toujours F2A fois F2B qui est négatif. Et donc, quand on a une annulation entre deux termes, on a toujours que ce signe-là doit être négatif. Et donc, c'est sur ce principe-là que se base la dichotomie dans tous les algorithmes qu'on va travailler. Donc moi je vais commencer par le 3-1-2, alors je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Parce que ça va me permettre de faire un petit rappel en même temps. Ah, je peux pas faire deux pages en même temps. Ok, bon c'est pas grave, c'est pas très grave, mais c'est à cheval sur deux pages, donc je vous mets le haut de l'énoncé et le script Scilab qui est à la page d'après. Hop. Voilà. Donc on vous donne une fonction g, on va pas faire la question mathématique, hein, mais c'est juste pour vous montrer justement, et c'est pour ça que je fais cet exemple là, parce que là, même dans le sujet initial, on parle absolument pas de la motonome g. On vous donne une fonction g de x qui est la fonction donc 2x moins 1 plus ln de x sur x plus 1. Et on vous dit de trouver que g de x admet une solution à... on sait que g de x a une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, juste en 0, ça va me valoir du moins l'infini cette chose-là, et en 1 déjà. Non, c'est négatif. J'ai oublié de mettre un truc dans l'énoncé. Ah voilà, sinon, c'est parce que la question est un peu particulière dans l'énoncé, excusez-moi, je me rappelais plus, c'est juste que comme c'est dans 0 plus l'infini et qu'il n'y a pas de borne du haut qui vous est donnée ici. Je me suis dit comment ils vont faire pour faire leur algorithme de dichotomie, alors que c'est marqué dans la question 2, c'est un peu particulier, mais dans la question 2, c'est marqué recopier et compléter l'algorithme de dichotomie ci-dessous, écrit à l'aide de Scilab, afin qu'il affiche un encadrement de alpha à 10 moins 2 près,
lorsque A et B sont choisis par l'utilisateur avec alpha dans AB. Donc en gros, soyons clairs, ils mettent B égale 10 000. En gros, parce qu'on est sûr, enfin un nombre très très grand, pour être sûr que alpha est entre 0 et B, ils mettent A égale 0,00001. Et on peut lancer l'algorithme pour essayer de trouver une approximation du 0 à partir de ça. Alors, si je reprends cet exemple-là, c'est justement parce que dans cet exemple-là, je vais d'abord reprendre les trois premières lignes de script qui vont me permettre de vous rappeler quelque chose, vu qu'on n'a quand même pas fait d'infos ensemble depuis un bon petit moment maintenant, et qu'on avait fini par ça en plus avant d'arrêter les cours. C'est qui vous donne en premier pour les trois premières lignes, en fait, ça n'a rien à voir avec le script qui suit. C'est ils veulent créer tout simplement une fonction ici. Clairement, son but c'est créer une fonction Scilab qui nous permet de calculer g. Donc, on veut juste une fonction qui permette de calculer la fonction g. Donc, c'est pas une commande très très dure. On veut renvoyer dans la variable y l'image de la fonction g pour le réel x. Donc, ce qu'il faut compléter, c'est pas très très compliqué. J'espère que vous le voyez bien. Il faut juste mettre du 2 fois x. Alors, si on est en Scilab, il faut mettre le fois quand même. Moins 1 plus, attention, en Scilab, le ln. Ça se fait avec log de x sur, et si on veut être sûr que tout soit bien au dénominateur, on met des parenthèses. Est-ce que ça va à tout le monde, cette fonction? Le fait que ça crée une fonction qui est maintenant accessible dans Scilab, que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous pouvez tout à fait dans Scilab, maintenant au niveau de votre prompteur, si vous avez compilé un script qui avait ça, calculez g de 3. Ça vous renverra l'équivalent de 5 plus ln de 3 quarts. En faisant les calculs, bien entendu, mais ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Oui, Maxence. Oui, en fait, si on met directement un x, il va tout de suite le comprendre, après il est remplacé par exemple par 3 tous les x. Exactement, c'est ça. Ça crée une fonction. Exactement comme toi, tu appelles la fonction exponentielle et tu t'attends à ce que quand tu tapes exponentielle de 4, ça te renvoie exponentielle de 4. Lui, là, on l'avait vu juste avant de partir en confinement. Quand on crée une fonction et qu'on la compile, tu sais, quand on fait lecture dans le script Scinote, il dispose maintenant de cette fonction en Scilab, et quand tu vas calculer, toi, g de 3, il va le faire comme une fonction interne à lui, qui est la fonction 2x moins 1 plus ln de x sur x plus 1, et donc il va remplacer tous les x par 3 dans le calcul, sans que tu aies rien à faire. Et donc du coup, le x, on n'a pas besoin de déclarer avant. Non, non. Par D'accord. contre, quand tu appelles la fonction, faut bien l'appeler sur quelque chose. C'est-à-dire que si tu crées une variable u qui vaut 3, tu peux l'appeler sur g de u. Mais g n'a pas de sens dans une ligne de code Scilab. C'est pas une variable. Ok, G d'accord. est juste l'opération qui a une variable d'entrée x ressort la variable de sortie y. Donc quand je fais ça ici, g de u, ça me crée bien une variable qui contient la sortie y qui est là. Ok. Et qui vaut g de 3. Ok, donc on crée une fonction. Maintenant qu'on a une fonction g, on peut donc faire une dichotomie, tout ce qu'il y a de plus classique, sur cette fonction g. Et notamment, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a juste à avoir l'idée mathématique de il existe un unique 0, on n'a absolument pas besoin de la monotonie de la fonction g. Notamment, ils vous le mettent derrière, donc suite à cette fonction, ils vous mettent le script de dichotomie. Donc A, c'est notre borne du bas, celle que j'allais dire qu'ils mettent à 0, donc ils entrent une borne du bas A. Ils entrent une borne du haut qui est B. Ensuite, alors, tant que B moins A quelque chose, M est égal à quelque chose, je vais me permettre d'effacer ma fonction G pour avoir plus de place sur la gauche si ça vous dérange pas, c'est pas très très pratique. Je vais me remettre à gauche pour avoir plus de place. Ça va si j'efface la fonction g, c'est pas trop dé... enfin, on a accès à cette fonction g. Ça me permet de mieux incrémenter en fait. Donc j'ai mon input ici, j'ai mon autre input ici, j'ai mon while b strict moins a et je compléterai après. Dans mon while j'ai un m égal, dans ce m égal, enfin dans le while toujours j'ai un if et on me met ga fois gm. Négatif ou nul, zen, b égale
else. Ouais, je vais même changer quelque chose, tiens. Hop, je vais effacer ça. Tant pis. Else et disp quelque chose. Donc on a complété, entre guillemets, le test qui est ici. On va mettre que c'est un test ici. Ici, l'affectation qui est là. On a aussi une affectation à faire après le zen. Je l'ai effacé complètement parce que là, c'est parce que, soyons clairs, c'est parce qu'on était envoûté sur le sujet que je vous ai donné qui avait ce qui était écrit, mais on va y réfléchir. Il y a une affectation à faire ici, et ici, il y a la ligne aussi d'affichage, savoir ce qu'on affiche. Ah, donc il y a 5 lignes à compléter dans ce script pour faire de la dichotomie. Alors c'est lié aux contraintes de l'énoncé. Ah, première chose, c'est que donc le principe que je vous ai expliqué de taper au milieu, on recommence tant qu'on a un intervalle qui est trop large. Donc clairement, et j'espère que ça va à tout le monde, puisqu'ici dans la question c'est demandé d'effectuer une approximation à 10 moins 2 près, ça va me permettre de compléter ma ligne de test. Je vais continuer à faire de la dichotomie tant que mon intervalle AB nouveau n'est pas réduit à l'intervalle d'amplitude plus petit que 10 moins 2. C'est-à-dire on veut que l'intervalle AB soit de longueur inférieure ou égale à 10 moins 2. Si on veut qu'il soit de longueur inférieure ou égale à 10 moins 2, on veut faire des calculs tant que B-A est strictement plus grand que 10-2. Alors je rappelle que 10-2 on note comme ça, mais du moment que vous comprenez que le 10-2 va là, ça me va très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que la boucle while repose sur la largeur de l'intervalle? Donc c'est si on vous met une contrainte sur la largeur de l'intervalle, c'est clairement sur la condition qui est là qu'on va mettre la condition sur le while. Est-ce que ça vous va cette partie-là? Ensuite, ce que j'ai dit en rappelant vite fait en début d'heure sur la dichotomie, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on va chercher à calculer, c'est le milieu. Donc, alors d'habitude, souvent, dans beaucoup d'algorithmes, on l'appelle C, puisqu'on a déjà fixé A et B, donc on fixait la troisième variable. Ici, ils choisissent de l'appeler M, c'est pas très différent. Mais donc, c'est juste le milieu de l'intervalle. Donc, le milieu de l'intervalle, on le calcule toujours comme A plus B sur 2. Ah, donc, c'est comme ça qu'on complète clairement cette ligne-là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est là où il faut réfléchir, et c'est ce if et ce else qui est toujours sur lequel il faut juste réfléchir complètement et avoir compris la dichotomie pour savoir comment le compléter. Pourquoi? Parce que ça dépend de plein de choses. Parfois, on va vous laisser compléter le test qui est là. Si on vous laisse le compléter, ça dépend dans quel sens vous complétez le test. Ici, on a testé par rapport à du inférieur ou égal à 0. On pourrait aussi vouloir compléter par du supérieur ou égal, par du supérieur strict, par de l'inférieur strict. Donc ça va dépendre de ce qu'on va vous mettre ici dans le test. Deuxième chose, il faut comprendre ce que ça veut dire et ce qu'il faut modifier. Donc je vais... Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai réussi à effacer... J'ai effacé quelque chose, là, je suis pas fou. Ah, j'ai effacé ça, je crois. Ah, donc il faut comprendre ce qu'il faut modifier. Non, j'ai bougé ça. Voilà. Ah, mais il y a des choses qui bougent, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas très très grave. Alors, donc j'en étais où, excusez-moi. Oui, donc il faut comprendre ce qui va bouger et ce qui va affecter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginons que je vais faire un seul graphe pour info, mais c'est juste ça là. Donc imaginons qu'on soit en A ici, en B ici. Enfin, B, il va pas être là, il va être là. Et que j'ai une fonction qui soit, je vais faire une fonction bien qui décroît tard, comme ça, voilà. Et que je vais faire de la dichotomie. Je vais calculer mon point A plus B sur 2 ici. Question toute bête. Hop. On va pouvoir comprendre ça. Je vais demander à quelqu'un. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Camélia, deux questions. Première question, dans mon graphe, de quel côté, enfin, quel est l'intervalle que je vais garder, si j'appelle ça le point M,
De quel intervalle je garde pour continuer ma dichotomie? L'intervalle MB ou l'intervalle AM? Je sais pas. Alors on cherche à trouver le zéro de la fonction. Le zéro, il est de quel côté? MB. Oui. Alors c'est de là qu'on va faire. Comment on peut tester? Alors maintenant, on a trois valeurs dont on connaît. On connaît f de a, on connaît f de m et on connaît f de b, entre guillemets. On connaît ces trois valeurs rouges ici. J'avais mis le 0, mais je l'efface, c'est pas ça qui m'intéresse. L'intérêt, et pourquoi j'ai mis f de b ici, c'est pas là qu'il est, c'est là en bas, pardon. F de b, il est là. On connaît ces trois valeurs-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de quel côté on est si on a un signe négatif? Ben, clairement, en fait, le 0, il est du côté où le produit f, soit f, le produit f de a, f de m, f de a est négatif, soit f de a, f de m, pardon, f de b est négatif. Il y en a forcément l'un des deux, je ne sais pas lequel, l'un des deux qui est positif et l'autre qui est négatif. C'est forcément du côté négatif que j'ai mon 0. Donc, puisqu'ils font tester si g de a fois g de m est négatif. Donc ça veut dire, entre guillemets, si g de a fois g de m est négatif, ça veut dire que l'annulation, contrairement à mon dessin, l'annulation est entre a et m. Si l'annulation est entre a et m, pour que je puisse garder quelque chose que je peux boucler, c'est le point B qui va être ramené ici en m. Donc dans ce cas-là, l'affectation qui est ici, c'est tout simplement B devient égal à m. Donc forcément, si quand le signe de g de a et de g de m est négatif, je reste dans l'intervalle à m, donc je modifie b, bah dans l'autre cas, c'est que la solution est entre m et b. Dans ce cas-là, c'est a que je modifie et a devient m. Maintenant, je peux boucler, je suis sûr et certain de garder mon 0 à chaque étape de mon algorithme de dichotomie. Et donc en faisant toute la boucle jusqu'au bout, je peux renvoyer, je vais avoir un intervalle où à la fin, qui est d'amplitude plus petit que 10-2, et dans lequel je vais avoir mon 0. Question, tiens, je vais demander à quelqu'un d'autre. Deux choses aussi. 15, qui est en 15? Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Léna, qu'est-ce que j'affiche à la fin d'après toi? Il y a plusieurs choix possibles. Il y a une réponse tout à fait correcte et après il y a des meilleures réponses. Il y a une meilleure réponse. J'en avais parlé dans la petite vidéo que j'avais fait. Je vais en réexpliquer ça là, mais ça c'est du point de détail. Mais sinon, qu'est-ce qu'on doit afficher à la fin? On doit afficher ce qui est le plus proche du zéro. D'après toi, c'est quoi ce qui est le plus proche du zéro dans les variables? Alors, A, B ou M étaient trois réponses tout à fait potentielles et tout à fait correctes. Que vous mettiez A, B ou M ici, ça me va très très bien. Je pense que le meilleur choix entre les trois, c'est M vu qu'il est au milieu de l'intervalle. Mais c'est exactement la même chose ici. Par contre, j'avais expliqué à l'époque, enfin dans la petite vidéo que vous avez demandé de regarder sur la dichotomie, mais c'était il y a 3 semaines, qu'il y avait un choix strictement mieux, qui était que puisqu'on avait fait une dichotomie ici et qu'on avait refait la dichotomie, on peut se permettre de renvoyer une dernière fois ici le milieu, A plus B sur 2. Pour refaire une dernière étape de dichotomie. Alors là, je vais pas être très content, Alexis et Hugo, mais avec tout le monde, mais je vous ai mis une vidéo il y a 3 semaines où je vous ai dit, posez-moi des questions si, y a des soucis avec ce principe-là, mais le principe de la dichotomie, il fait partie de la vidéo que je vous ai demandé de regarder il y a 3 semaines. Le principe est lié, et c'est tout le principe, elle fait 20 minutes cette vidéo, et pendant 20 minutes, je ne fais qu'expliquer un principe de signe. Donc c'est le même principe. Je vais refaire de graphes, je vais réexpliquer, mais tant pis pour vous, vous vous démerderez avec vos autres exos. Je pourrai pas faire de TD après si j'ai pas le temps. Là, je suis pas très très content, je le dis clairement. Il y a deux cas possibles.
La vidéo est dans le groupe de classe au cas où, mais elle est même sur le site. Hein. Enfin, de toute façon, enfin, sur le site, elle est sur YouTube, elle est accessible. Hein. J'avais donné le lien dans le fichier de la première semaine. Enfin, bref. Je vais faire deux cas décroissants pour expliquer ça. Pour montrer ce qui peut se passer dans la même situation de décroissance. Avec des graphes différents. Dans les deux cas, j'ai deux fonctions qui s'annulent entre les deux. Là, j'ai mon point d'annulation, alpha, on va dire. Là aussi, j'ai mon point alpha d'annulation. Et si j'essaie de faire ma dichotomie pour trouver l'algorithme, je tape au milieu de mon intervalle, donc ici, en a plus b sur 2. Ici aussi, en a plus b sur 2. Et est-ce que vous êtes bien d'accord, Hugo et Alexis, que dans mes deux situations où pourtant j'ai une fonction décroissante qui change de signe dans les deux cas, l'intervalle que je dois garder pour continuer ma dichotomie n'est pas le même dans les deux situations. Est-ce que vous êtes juste d'accord pour dire que ce n'est pas le même intervalle qu'on doit garder? Alors je vous l'avais expliqué dans la vidéo, on peut faire un million de sous-cas différents en fonction, ah oui, mais ça dépend comment elle est, comment elle graphe, comment elle signe, comment elle a décroissance, comment elle a croissance. On peut faire un million de sous-cas et traiter tous les cas en faisant plein de signes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul test sur le signe ici, on peut faire, le premier c'est de M à B, de l'autre c'est de A à M, je suis tout à fait d'accord. On peut faire plein de tests différents en fonction de si A était positif, si F2A était positif, si F2M était négatif, si. On peut faire un truc qui fait 150 000 lignes avec 1 million de ifs différents. Ça marche. C'est juste que c'est inutile et inefficace parce que l'ensemble de tous ces tests, pour savoir quel intervalle on gagne, se résume à un seul calcul et un seul, qui est connaître le produit des signes de deux valeurs. Pourquoi? Entre A et B, quand le 0 était juste entre A et B ici, initialement, dans cette situation-là, tout comme cette situation-là, qu'est-ce qui était caractéristique dans la situation initiale? C'est que le 0, il est toujours là où on a F2A fois F2B qui est strictement négatif. Parce qu'il y en a forcément un de positif et un de négatif. Et ça, c'est dans le cas décroissant, c'est forcément dans ce sens-là. Mais si la fonction était croissante, ce serait forcément dans ce sens-là. Donc dans tous les cas, j'ai forcément le produit F2A fois F2B qui est négatif. Donc maintenant, si j'appelle M mon point au milieu ici, il suffit de regarder la même chose. Il se passe deux choses. Soit j'ai F2A, F2M qui est négatif. C'est le cas par exemple, donc ça c'est la situation 2, ça c'est la situation 1. J'ai F2A, F2M qui est négatif, donc ça c'est la situation 2. Ça me dit que je dois garder l'intervalle AM. Par contre, dans la situation 1, j'ai F2A fois F2M. Bah là, les deux valeurs sont positives. Le produit des deux, ils sont de même signe. Les deux sont positifs. Et si j'avais même un graphe croissant, les deux seraient négatifs. Donc dans ce cas-là, j'ai ce terme-là qui est positif strictement. Bah ça implique que je ne vais pas garder AM, mais que je vais garder, pardon, MB. Donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Quel est le signe du produit F2A, F2M? Et si vous le connaissez, bah vous pouvez savoir dans quel intervalle vous arrivez. Mais ce n'est pas juste apprendre par cœur ce qui est intéressant, parce que si là je vous ai fait un test avec le F2A, F2M, je peux aussi, moi, dans un autre exo, vous faire un test avec le F2M, F2B. Et donc là, par exemple, F2M, F2B strictement positif. Tiens, je vais demander à quelqu'un. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Étienne, dans mes deux graphes, c'est la situation 1 ou la situation 2 qui correspond à F2M fois F2B strictement positif? C'est la 2. Oui, c'est la situation 2, exactement. F2M, il est là, donc là, ces deux-là sont bien comme ça. Donc clairement, dans la situation 2, si le test est celui-ci, il faut que vous compreniez que vous deviez garder, pardon, AM, excusez-moi,
comme c'est la même chose. Et si par contre le test était f de m, f de b strictement négatif, il aurait fallu garder mb. Donc c'était ça le but de la vidéo que je vous ai mis. Hein. C'était juste de comprendre ce principe-là, indépendamment de toute la notion de script et d'algorithmique qu'il y a autour. Si maintenant on rajoute ça, et il y avait une petite subtilité à la fin qui était le a plus b sur 2 quand on doit afficher, que je viendrai expliquer au bout. Mais dans chaque algorithme de dichotomie, dans chaque chose que vous aurez à faire, c'est faire ça. C'est juste essayer de comprendre quel test ils vous ont fait faire et par rapport à ce test, de quel côté vous devez modifier quelle variable. Donc pour moi, c'est tout ce que j'ai à vous expliquer là-dessus. Maintenant, j'ai rien d'autre à vous dire que attaquer les exercices. Alors je les ai effacés dans ma précipitation tout à l'heure. Mais donc je veux que vous me fassiez les exercices 1-4-1, 1-4-2. Dans l'ordre, hein, si vous voulez. Il y avait quoi d'autre? Il faut que je remonte au début pour voir. Oui, alors par contre, oui, mettre des inférieurs ou inférieurs égales, c'est pareil, vu qu'informatiquement, on tombera jamais tout pile sur le 0. C'est impossible, à cause des erreurs d'arrondi. Donc, c'est strictement pareil de mettre des supérieurs stricts ou des supérieurs égales. Donc, j'ai dit, il y a 1.4.1, 1.4.2. Ensuite, il y avait 3... J'ai fait 3-1-2, donc je veux que vous fassiez 3-1-3,